Bonjour à toutes et à tous, chers amis. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, car je vais vous mettre au défi de réaliser un exercice concret qui va vous permettre de ne plus jamais abandonner, même quand tu as un avion qui passe au même moment de la vidéo. Plus jamais, plus jamais, plus jamais abandonner. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi je répète plus jamais, plus jamais. En fait, je constate que beaucoup de gens abandonnent leurs rêves trop précocement. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme. Vous pouvez vous exprimer le plus fortement possible. Oui ! Le plus fortement possible vocalement, chers amis. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, je vous invite à télécharger cette vidéo pour pouvoir l'écouter dans une forêt, par exemple. Donc, vous pouvez retrouver la fonction télécharger sous cette vidéo avec une flèche. Donc, revenons à nos moutons, chers amis. L'exercice que je vous présente aujourd'hui consiste à dire « Je me relève ». Donc, commencez par répéter après moi « Je me relève ». Comme si vous lisiez un écrit. On recommence « Je me relève ». Ok. Imaginez maintenant que quelqu'un vous dise que votre projet est foutu. Donc vous allez dire « Je me relève ». Le but de l'exercice est de répéter dans votre tête ou en l'exprimant « Je me relève, je me relève ». C'est un exercice très 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 puissant qui va repousser positivement votre capacité à agir et ce de façon toujours exponentielle. Plus vous allez faire cet exercice et plus vous serez fort mentalement. Alors oui, vous pouvez rigoler de la simplicité avec laquelle je vous explique comment repousser vos limites. C'est si ludique, je le sais très bien. Et je vous assure que cette méthode fonctionne réellement parce que je la pratique depuis l'âge de mes 15 ans. Ensuite, vous allez même adorer que les gens vous disent que vous n'allez pas réussir. Car en vous relevant à chaque fois, je me relève, en poursuivant vos rêves incessamment, ceux-ci vont se réaliser un jour. Voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, ne lâchez jamais parce que la vie est belle, trop belle. Le soleil est trop beau là, je suis un chinois. Mais tant pis, j'adore les défauts, c'est pour ça que vous m'aimez, l'authenticité. Mettez en place vos rêves, la vie vaut le coup d'être vécue. Ce que je voudrais vous dire, qui est le plus important dans la réalisation d'un projet, en fait, c'est le chemin et non uniquement la destination. Je m'explique. Par exemple, supposons que vous voulez aller en Afrique du Sud en avion depuis la France. La destination, c'est l'Afrique du Sud. Le voyage, c'est tout le chemin parcouru. Partant de la France, de Paris par exemple, en passant par un pays du Maghreb, le Maroc par exemple, un pays de l'Afrique subsaharienne, le milieu de l'Afrique, pour ensuite atterrir en Afrique du Sud, chers amis. Vous apprécierez la destination de l'Afrique du Sud, selon moi, uniquement si vous passez par les étapes de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Centre, vous comprenez? En fait, c'est comme si tu me disais, Jordan, tu vas gagner le marathon sans rien faire. Eh bien, chers amis, je vous réponds que cela ne m'intéresse pas du tout. En fait, parce que les efforts qui représentent le voyage doivent être traversés vraiment à fond pour profiter réellement de la destination qui est d'arriver le premier à un marathon. Vous comprenez, chers amis? Donc, j'espère que vous me comprenez. Voilà ce que je tenais à vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire une destination que vous aimeriez atteindre, que ce soit physiquement ou moralement, mentalement, et les étapes nécessaires pour y arriver. Dernière astuce, je vous invite à prévoir les étapes à traverser pour votre accomplissement personnel. Donc, vous l'avez compris maintenant, je me relève. Je me relève, je me relève à chaque fois que cela est nécessaire. Car la vie, c'est pas d'aller d'un point A à un point B d'un trait direct, mais de faire du point A au point F, au point Z, au point G, et peut-être pour arriver au point B. Considérez que plus vous passez par deux points, E, G, F, A, T, et plus le voyage vaut vraiment la peine d'être vécu, chers amis. Je vous dis à tout de suite sur une nouvelle vidéo, et vous le savez, vivons heureux et passionnés à vie. Merci. You